C'est dans une zone de boss. Souviens-toi, Link. Link! Hey! Listen! Dans une zone de boss. Mais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Dans une zone de boss? Mélina? Mais qu'est-ce qu'elle m'a dit, Mélina? Elle m'a rien dit. Dans une église? Non, mais après, tu m'as dit il y a longtemps, alors. Je me suis chié dessus, putain. Ok. Comme quoi, faire le con, ça marche. Merde, il y a un truc de l'autre côté. On va se soigner, j'ai très peur. J'ai très peur. Vers quoi ça m'emmène? Vers ça, c'est quoi ça? C'est une mort probable? Voilà, on va sortir le bouclier. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Monsieur? Ah, il est pas bien. Ça, c'est quand vous écoutez mes streams, vous êtes dans cet état? Tu veux pas passer un level? Non, je peux pas, j'ai 59 000 XP. Est-ce que j'ai assez de runes? Ça! Là, le message. Regarde, le message de BBS. Tu veux pas passer un level? Ça veut dire que tu vas en chier, mon pote. Non, je crois pas. Je crois pas. Oh si, j'ai peut-être moyen. Attendez. 12, 7, 6, 5, 3. Je sais pas si j'aurai assez. Hein. Faites les calculs. 12, 7. Ça fait combien? Ça fait 20 000. 26 000. 5 000. 3 000, ça fait 7 000. Ouais, je pense que j'aurai pas assez. Hein. Pendant que l'autre, il joue son violon, là. Ah, il me faut 40 000. Pensez que j'ai assez avec 40 000? Si on fait des calculs. Si on fait des calculs. Attendez, je sors la calculatrice. Ouais, on fait des maths aussi dans Elden Ring. Je peux passer le petit niveau 130 là, au calme. Alors attendez, calculatrice. Calculatrice. Et premier degré, je suis en train de sortir la calculatrice. Hein. Je vous le dis. Alors, excusez-moi, ça vous fait un total de 1200 x 2. Plus 1600 plus 2000 x 6 2000 x 6 plus, je suis déjà à 36 000 déjà. Non mais j'ai fait une erreur dans le pâté, non? Ah si, 6000 x 6 ça fait autant. Mais non, mais j'ai marqué 6000 x 6, mais je suis un connard. Non, tout va bien, je me suis trompé dans les calculs, je recommence. Pourquoi j'ai mis 6000 x 6? Pardon. Apprends les maths. Ben déjà, c'est mal parti. Déjà, de base, c'est 2000 x 6. 2000 x 6. Merde. Oh, mais efface tout. Efface tout. Historique, machin. Alors, fait. Égal. Alors, attends, c'est de la merde. Appelez-moi un matheux qui me fasse les calculs de tête. Parce que là, j'ai fait de l'erreur dans les calculs. Ça me fait n'importe quoi. Calculatrice. Attendez, j'en peux plus. Je vais péter mon câble. Je vais... 12K, merci. Enfin, attendez. Je refais. 12. Attends. 1200 x 2. Ok. Ça fait 2400. 1600. Plus 1600 égale, ça fait 3200 plus 3200 plus 2000 fois 6, ça fait 31 000. Ah si, pourquoi ça me fait ça? Mais pourquoi il me fait? Mais non, mais il est trop con. Oh là là, ok, ça me gonfle parce que la calculatrice, tu fais de la merde. Vous rendez compte? Même les calculatrices savent pas calculer. C'est juste que je sais pas me servir d'une calculatrice comme ça. Ça me fait chier. Ok, on XP pas. M'en bat les couilles. Ça m'a rendu fou. J'appuie sur égal, ça me fait plus. Oh, ça pue la merde. Oh, ça pue la merde. J'aime pas trop ce que le jeu me réserve. Oh là là. Je vais mourir. Ouais, ça pue la mort. Oh. Pourtant j'ai envie d'XP hein. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ok, c'est des nouveaux mobs, je les connais pas. Oh, c'est la merde ici. Premier objectif, ne pas tomber, t'inquiète. Moi, je suis professionnel. Je peux aller ici? Non, c'est une bougie, ça ne sert à rien. Oh, mais attends, il y a des gens... Non, mais... Mais qu'est-ce que c'est que ce lieu? Qu'est-ce que c'est que ce lieu de l'enfer? Chut. Il y a quelqu'un. Il est là. Oh la... Oh, oh la vache. Je vais crever. Oh. Tu reconnais les personnages? C'est mes morts? C'est le nombre de fois où je suis mort? Ah ouais, c'est beaucoup. Hein. Non, je reconnais pas plus que ça. C'est des nobles? Mais si c'est le mec, le sacré, il est chiant. Des chiens? Non, c'est des marchands. C'est des marchands? Comment ça, c'est des marchands? C'est pas des marchands. Calais, il est pas là? Calais, mon pote. Quelle ironie! Ok, il y a des gens qui sont morts ici, pourquoi? Avec leur violon et leur archer à une main. Oh! Mais t'as totalement raison! Ah, il y avait beaucoup de marchands et eux, ils avaient plein de stuff à me vendre. Quelle tristesse. Alors, là, ce qui me fait peur. J'ai très peur. Ok. Pour l'instant, une rune dorée. Peut-être que je vais pouvoir EP! Je peux pas, j'ai plus de titre de grâce. Oh, faut que je descende là-dessus. C'est pas pire que le temple Gemilir. Ou j'ai glitch. Encore. Ok, manuel exalté, super. Je me chie grave dessus. Hein. C'est toi qui joues? T'es un méchant. T'es un méchant. Quoique non, tu fais de la petite musique. Écoute, je vais en profiter. Hein. Moi j'aime bien ta petite musique. On se fait plaisir, non? Attends, faut que je continue de descendre. Tant que tu me marraves pas, ça va mon pote, je suis content, je suis avec toi. Hein. Ok, bref, jaunâtre. Non mais frère, comment je suis censé descendre ici? Ok, peut-être là. Peut-être là après. Non mais frère, qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde? Ok. Oh là, sort ça, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. Je vais crever. Je le... Vous le sentez que je vais crever? Vous le sentez, non? Oh. Ito Sulche Sephiros. Mais lui, il est baisé, non? Oh, il est baisé. Il est baisé, il est baisé, il est comme moi, il est baisé. Il est baisé, il peut rien faire. Si, il faut que j'aille en face. Oh putain d'ingurie gros. Non mais comment? Non mais je peux pas passer par là. Là je meurs pas. Oh, j'aurais dû avoir, vous savez ce que j'aurais dû prendre? J'aurais dû acheter ce putain de sort de du voleur. Histoire de me laisser tomber. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui est mort, il y a une tache de sang qui vient d'apparaître. Pas là 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 là, m'avait cru pour un débutant. Ah là 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 là, bébé, c'est en train de me dire fort à point fait trop fort. Putain, vous m'avez cru pour un américain. Non, j'ai raté, je suis mort. Le karma, le karma is coming. J'en ai marre d'avoir un karma de merde. Vous allez me dire que là, faut que je récupère mes runes en équilibre. Je comprends pourquoi BBS m'a dit, ce serait bien que tu XP. Ça pourrait être bien. Donc mes runes, elles sont en équilibre sur un rocher, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Non? Si, peut-être. Je sais pas. Oh. Y a des items partout? Ouais, y a pas d'items, moi. Et toi, je t'arrache parce que tu me casses les pieds. Ah! M'a fait peur. Alors, j'ai vu qu'il y avait des items sur les planches. Non, par contre, me dis pas que mon objet il est en équilibre sur une trace. Parce que. Sur une trace. Ah ouais, non, mais lui il est chiant.
La vérité, il est chiant possible. Je vais avec sa... son truc sacré. C'est moi, il a fait. Ouais. On est d'accord qu'il fait. On dirait un petit peu comme les pions en... quand ils surveillent. Hé, hey, j'entends parler là. Hop, ça meurt. Ah! Mais il est aveugle! Ouais, calme-toi, Fanfreluche. Attends, vous m'avez dit qu'il y avait des trucs partout, mais. Il n'y a pas des objets partout? Qu'est-ce que vous me racontez? Rien du tout. Alors, où est-ce que. Oh! Ah ouais, je comprends pourquoi ABS m'a dit d'XP, quoi. Oh putain, le con! J'ai envie de crever. Oh putain. Avec son violon de mort là. Faut que je refasse tout. Non frère. Isoké meurt paisiblement. Non. Non. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. J'ai envie de crever déjà fort. Oh bah pas qu'une fois en plus hein. Allez. On y retourne. Oh là là. Alors, putain merde, je me rappelle plus, j'avais sauté de manière classique ou pas? Je sais plus, j'avais sauté de manière classique ou si j'avais couru. J'ai peur que si je cours, je tombe. Oh, je sais plus! Oh, je sais plus! Je crois que si je saute classique, je meurs. Non. Let's gong. Là, faut que je cours ou pas? Putain, il me faut mes runes. Hein. Je sais plus, je crois que j'avais couru. Jamais, jamais courir? Ok. Mais là, c'est un peu loin! Là, je passe pas si je cours pas. Oh, il y a un objet de fou. Il y a un trou. Oh, il y a des trous partout. C'est la lumière. La lumière. Là, faut courir, non? Là, si je cours pas, je meurs. Hein. C'est loin. Genre Yakitori, il a pas. J'ai appris avec plus de 40 morts. Là, faut pas courir. Je te préviens, bébé, je meurs. Tu me dois 40 000 runes. Hein. Regarde, tu vois ça? Si moi pas courir, moi mourir, ça, toi, me rembourser. Tu vois? C'est moi qui suis mort ici, non? Non. Non, si tu meurs, tu dois entraîner ton skill. Ouais, parce que ça, t'as pas... Non mais c'est sûr que là si je... Ok je fais confiance à BBS, on peut lui faire confiance. Wouh! Let's gong! Alors... Je suis mort ici non? Let's go, on allait plus loin que d'habitude! Alors là ça c'est chiant, y'a ça. Y'a pas une un peu plus bas? Si y'a là-bas, c'est trop loin. Là je peux aller dessus mais ça me sert à quoi d'aller dessus? Non, en fait, il faut que j'aille dessous. Mais je peux pas aller dessous. Ou alors, il faut que je vise... Ou alors, il faut que je vise le truc du machin. Oh. Putain, quel... Si tu cours trop d'élan, tu contrôles pas ta trajectoire. Ouais, mais là, le... Là, je sais pas où je dois aller. À mon avis, je dois aller en dessous, là où il y a l'objet. Je pense, hein, parce que ici... En fait, le truc, c'est que si je saute trop loin, je vais taper le bord. Je vais taper le bord et je vais tomber. Le truc, c'est que j'ai peur de pas passer. Parce que j'ai rien d'autre, hein. Je vois pas de plateforme où je peux m'accrocher. En soi. Enfin, où je peux m'accrocher, vous avez... Vous avez compris? Ou alors il faut que j'aille en face et que je me laisse tomber. Ah non, c'était... Ou alors ici, là. Genre juste en bas, un peu plus loin, là. C'est où, ça? Quel niveau, c'est là? Oh, putain. Bon, là, en vrai, je meurs pas, je pense, mais... Let's gong! Frénésie irrésistible, un petit peu comme mon charisme. Voilà! Alors, vous avez douté? Hein?
Comment j'ai cet objet? Donne-moi l'objet. Lumos! Hein? Ça marche pas, je peux pas le récupérer. Oh non. Oh non, tristesse. Hein? J'ai pas envie de lire les messages. Trop tard. Pas un droit franchissable en vue. C'est un troll? C'est un troll. D'accord. Là, j'aurais pu niquer toute ma mana sur ça. Hein. Non, c'est un vrai objet, pardon! Mais comment on est censé avoir ça? Tout ça, ça se casse pas! Nique tout! Je suis en train de me dire, est-ce qu'il faut pas utiliser le. Ben non, on peut pas. Je veux bien utiliser une patte de dragon. Mais ça passe, hein. Hyper intéressant en plus. Ouais, bah. Est-ce qu'il n'y a pas un objet 4? Non. Est-ce que si je passe par-dessus? Non, je peux pas. Je vais devoir sortir le dragonnet? Ou peut-être pas le. Ou peut-être il y a un autre. Oh là. Ok, le fifrelin il était caché. Ouais, j'ai pas confiance. Ok, le bouclier des empreintes. Super, ça c'est le bouclier de la police. Mais attends, mais comment je récupère cet objet? Non, parce qu'on est d'accord que ça casse pas. Ok, pour la science. C'est de la merde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce jeu, c'est de la merde. Pas récupérer des objets qui sont cachés derrière un truc. Est-ce qu'il faut pas un... Ah non. Non, je vois pas. Je vois pas, parce qu'il y a des cordes. À part passer par-dessus. Je peux pas. Perso, il saute pas assez haut. Ah non, il peut pas. Un véritable plaisir, ça, dites donc. J'ai pas un grappin, genre... ou dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tout le monde passe ici. Bah tant pis, je sais pas. Je vois pas. Il peut tuer des boss, mais il s'est pas passé sous un drap. Ah, c'est la vie que j'ai décidé de mener. C'est pas évident, c'est vrai. Mais avec un sort, ça devrait passer. Ça devrait casser, mais non, les créateurs ont décidé autrement. Comment ils en ont décidé? Comment ils auraient pu décider de ça? Avec une emote? Avec un cheval? Avec genre si je fais un truc Fusil feu! J'ai essayé, ça marche pas. Si tu dis maintenant, tu pètes ton crâne. Attends, si c'est vraiment du feu, alors attends, on va tester ce que dit Petit Pi. Le problème, c'est que j'ai ça en feu, moi. Ça va me niquer beaucoup de mana. Bon, bah, c'est inifugé. Attends, mais comment? Genre roulade? Ouais, mais ça aurait pu marcher, tu sais, tandis que BBS dit que c'est un... Ah, quoi? Essouiller verrouillage cible. Ah ouais, non, mais ça, on a déjà testé. Attends, 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 attends. Non, je me suis dit, putain, c'est un truc qui disparaît quand c'est pas dans son champ de vision. Et des objets que t'as ramassés. Pensez le bouclier des empreintes. Où est-ce qu'il est, le bouclier des empreintes? Qu'est-ce qu'il fait? Coup de bouclier. C'est pas ça que je voulais faire. Quand tu veux. Ouais. Hop là, oh là, je suis tellement lent. Il est trop lourd ce bouclier. C'est de la merde. Oh, ça devrait casser. Non. Oh. Alors attends, peut-être avec une torche. Non. Je pensais pas qu'avec une torche, ça peut faire un truc. Genre, une torche qui révèle les objets invisibles.
Je crois que j'ai ça. Ou c'est une dague? Non, je crois que c'est une torche. Est-ce qu'il y a cette torche? Coup de torche. Un nain. Flamme spectrale glaciale apparemment au faucon. Les flammes spectrales glaciales. Selon les destins condamnants, ne plus jamais. Brandissez cette torche pour mettre le feu à vos ennemis. Et face. Quand les ennemis vulnérables au feu. Alors non, on s'en fout. Torche de sentinelle. De voir les assassins se diminuer dans l'ombre. Torche de barbelé, anti-bête, torche. Non, en fait, j'ai pas de torche. Utile sur ça. Que la lumière fût! C'est de la merde! C'est de la merde! C'est stylé une torche. Pourquoi je joue jamais avec ça, moi? Bon, c'est pas la torche. Un objet que j'aurais ramassé. À part un sort, mais j'ai pas. Un fouet. Attends, il m'a pas de... Non, j'ai... Truc de la gargouille. Un sort de foie, mais je peux pas changer mes sorts ici. Ce qui est très con, d'ailleurs. Après, il y a des femmes bleues. Est-ce que... Non. On a ramassé des braises jaunâtres. Non, tu te fous de ma gueule. Genre, vraiment, ça serait ça? Quoi? Des braises jaunâtres? Non, mais frère... Je sais même pas à quoi ça ressemble. Je sais même pas où c'est rangé. C'est pas dans équipement? Braises jaunâtres. Mais je sais même pas dans quoi c'est rangé. Dans mon coffre, c'est rangé. Sac à dos, sac à dos. Sac à dos, sac à dos. Pierre luisante. Attends, mais frère, c'est pas là-dedans? C'est en dessous. Ah bon? Comment ça, c'est en dessous? Qu'est-ce qui me... J'ai pas de... C'est quoi? Avec les cailloux qui brillent. Ah, c'est ça? Ouais. C'est la pierre luisante? Comme le verre? Dans Palia? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est pas la pierre luisante. Qu'est-ce que... Mais c'est pas ça. Les cailloux qui brillent. Pierre arc-en-ciel. Non, catégorie en dessous encore. Mais j'ai pas de catégorie en dessous. Mais qu'est-ce qu'il... Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais quoi catégorie... J'ai pas de catégorie en dessous. J'ai rien après. Vous me rendez fou? Ah, au-dessus. Pardon. J'ai lu en dessous, moi. Je suis un connard. J'ai de la graisse. Consomme les PC pour soigner en continu les AD du chaos. Pour soigner les alliés proches. Fragment de ruine. Pierre explosive. Grande pierre explosive. Non mais... Je vois pas l'objet. Là. Mais quoi là? Donnez-moi le nom! J'ai pas le nom! Moi le visuel c'est l'un des deux trucs, mais c'est pas normal que j'en ai autant. Plus ça me consomme des PC, c'est de la merde! Pierre empoisonnée. Ça me rend fou. Trip à Horde. Ah oui, c'est vrai que ça existe, ça. Horde d'acquisition. Bah, ça m'aide pas plus, hein. Voilà, on en est là, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, dans le jeu. J'adore le jeu. Et quand je vous dis que j'ai pas, donnez-moi le nom. Ça va me rendre fou. Je dis, il n'y a pas hors d'acquisition. J'ai pas. Lumos. Je vais péter mon crâne. De toute façon, ça marchera pas. Non mais il te fout. Non mais alors ça, ça peut partir sur un ban. Ça marchera pas de toute manière. Comment je le récupère cet objet? Ça va me rendre fou. J'ai niqué tous mes PM. Plus j'ai mis un objet de merde dans mon inventaire, ça va me niquer la gueule. Dégage! Tu veux la réponse? Oui, donne la réponse. Ça va me rendre fou. De toute façon, si tu me la donnes pas, j'irai chercher sur internet, donc je le ferai plus tard. Tant mieux que je le fasse maintenant. Que je rage comme un putois parce que j'ai pas réussi à redescendre. Va me faire, bah en fait tu peux pas. Il va me dire ça. Je le sens arriver gros comme une maison. Lumos?
Maxima. Parce que Dark Vador, il aurait tout brûlé. Hein. Bah, c'est déjà ce qu'on a fait. T'aurais pas dû. Il aurait fait les yeux qui brûlent. D'accord. Donc il nous faut le sort. Très bien. J'aurais eu un sort deux fois, ça serait passé. C'est bien ce que je pensais. Bon, faudrait que j'y retourne. Flemme. Pardon, il fallait que je crie à contre-courant, quoi. Faut que ce soit le PNJ qui le fasse. Super. Écoutez, je suis... Tiens, qui voilà-je? Mais ça serait pas la dame qui mange les yeux? Si, c'est ça. Le délai avant le cri. Ouais, c'est la blague. Vous connaissez. Vamos! Maintenant, il y a un gros trou maintenant, c'est chiant. Attends, mais c'est elle la flamme exaltée? Elle m'a dit de pas la toucher. Fais attention à ce que tu fais, action irréversible. Ah, oh, putain de ta race. Ah, oh, j'aime pas les jeux où il y a des choix. Ça me stresse. J'aime pas. Oh, putain, je peux pas la taper. Je me tire. Genre, c'est important ça que je le fasse? Faut pas réverser, mais un peu chiant. Mais non, je vais être stressé. Je suis stressé. J'ai pas envie de lui parler. Elle a bouffé des yeux. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? J'ai envie de lui parler quand même. Alors, comment t'as fait pour arriver ici, toi? After divesting yourself of your possessions, it will surely open, and the three fingers will welcome you. May the flame of chaos find purchase within you. Hein? Go to the door ahead. It will surely open. On a compris. Ôtez-vous de vos biens. Mais non, j'ai pas m'ôté mes biens. Alors. Mais attention, mais Mélina, elle m'a dit, Mélina, elle m'a dit de pas m'approcher de ça. Ah, y a Mélina qui me reparle. Je parle du loup, évidemment. J'en vois le bout de la queue. Qu'est-ce qu'il y a, Mélina? I ask you one more time, please seek not the frenzied flame. As one who strives to become a lord, deny not the lives, the new births of this world. Those who would are not fit to be called lord when the land they preside over is lifeless. Ouais, faut pas que j'y aille, quoi. C'est ça que tu me dis. On va regarder de loin. Ça a l'air sympa, la porte, hein. Très accueillante, hein. Bah, je vais pas y aller, hein. Genre, moi je fais confiance à Mélina. Mélina depuis le début qui me guide. Elle a dit qu'elle allait se... Ou alors, oh, peut-être qu'elle me fait une entourloupe. Peut-être, imaginez que, en fait, elle veut pas que je le fasse parce que elle veut prendre ma place. Qui veut prendre ma place? Veut pas de ton bien. Eh oui. Oh, ça me mind... Ouais, mais moi, je suis très crédule et je fais confiance et je me fais baiser. Oh non, Alors merde, c'est pas ça que je voulais faire. Le plot twist. Oui, le plot twist. Le problème, c'est que... Est-ce que je dois faire confiance à des personnages dans... Il m'a fait peur. Est-ce que je dois faire confiance à des personnages dans le jeu? Ah, je sais pas! Mais l'autre, elle bouffe des yeux, alors bon. C'est pas le meilleur truc. Est-ce que je peux apprendre le sort? À la place de gros cailloux. C'était quoi? La frénésie. Ah non, vous m'avez dit que ça marchait pas. Ça, c'est quoi? Vous saisissez un ennemi et vous frappez... Vous saisissez un ennemi et les frappez de démence. C'est mieux que le cri de Srabrebri. Ah, d'ailleurs que j'ai besoin des trucs. Le sort fonctionne pas. Ah oui. Putain, le PNJ, il est relou. Je dois tout refaire. J'ai combien d'XP? Inventaire. Je vais mourir, je le sais. 62. Ouais, ça passe. Je suis sûr que ça passe. Si ça passe pas, ça passera pas. Si, j'ai confiance.
On va faire comme ça sera plus rapide. S'il te plaît, je veux pas tout recommencer. Tu plais, monsieur. Hop. Putain, c'est chiant qu'on puisse pas à part tout vendre d'un coup. Peut-être que ça passe, statue. Oh, let's go! En fait, c'était large depuis le début. C'est bon. Et pas de soucis, mon cher Quick Quick. Bon courage pour ce que vous avez à faire, monsieur. Merci de votre présence. Alors, on peut le monter d'un niveau. Vamos! Bon app. Mais non, il est trop tôt pour qu'il aille manger. Il a un date. Monter d'un niveau. On est niveau 130. Qu'est-ce qu'on monte? La foi? L'ésotérisme. Oh, l'ésotérisme. Oh. Oh, l'ésotérisme, je passe en main gauche à 99. C'est-à-dire, mes sorts, c'est des dingueries. Et en plus, j'ai la découverte et je suis... ça part direct sur l'ésotérisme. Niveau 130! Voilà. Ça part. Et là, j'ai 1900 XP. Et là, on peut rush. Je sais pas si c'est pas le max, mais tranquille. Allez, on se refait le chemin. Donc c'est ça que j'ai récupéré. Une brèche jaunâtre. D'accord, comme ça j'ai le nom. Parce que... apparemment vous m'avez engueulé. Ah, il m'a touché quand même. Avec ton gros bâton. Je veux cet objet, vous m'avez dit que c'est fort. Enfin, moi je récupère l'objet. Hein. Hey, Michel! Oh non. Ok. Bah oui, Michel, il m'a mis une bastos. Alors. Est-ce que j'ai pris la confiance? Peut-être un petit peu trop, ouais. Est-ce que je vais en mordre les doigts? Certainement. Wouh! Galère! Mettez les sons tombés ici? Ouais. On va voir, c'était pas dû à la chance. Oh putain, bonne mère! C'est la chance. Ah ! Quoi ? Oh, j'ai glitché là, non ? Genre... Hein ? Quoi ? Pardon ? Genre... On est d'accord, bébé, je suis censé mourir là, non? Genre, le pouvoir du Jedi. Le pouvoir du jeudi. Alors qu'on est samedi, ça part. Non, mais je pense que j'ai touché le coin d'un mur, en fait, BBS. Et ça a reset la distance. Je pense que c'est ça. Je vois que ça, sinon j'ai vraiment de la chatte. Hop là, ça one shot. Oh, le 1070. Peut-être qu'une fois le sol cassé, tu meurs pas. Oh, peut-être, ça c'est incroyable. C'est-à-dire que je pourrais speedrun en vrai. Vous voulez qu'on reteste pour la science? Mes amis, mes bien chers frères, BABOS! Oh, c'est incroyable. Genre, on a cru à mon talent. On a cru à mon talent, mais c'est juste le jeu qui est codé comme ça, quoi. Oh, vous savez pas ça? Ah, y a que moi qui teste des trucs de fou sur ce jeu. Incredible. Donc ça veut dire que là, je peux me jeter. En soi, je vise bien. Oh, on va tenter ça, on va tenter ça. En soi, ça veut dire que si je vise bien... Si je vise bien... je peux arriver en bas. Le saut en longueur. Attends. Ah mais regardez, ça a marché de fou, regardez. Je pense, hein. Quoique, peut-être que je vais mourir pour la science. Ah, ça marche pas. Ah ça, de glitcher. Ah ça. Putain, c'est nul. Tu tombes de plus haut, tu meurs pas. Tu tombes de moins haut, tu meurs. Nick, jeu de merde.
vraiment de la merde ce jeu. Vraiment, je sais pas qui l'a codé, je sais pas pourquoi ça a été GOTY. Il y a des mouettes, elles sont pixelisées comme Jaja, ça a été fait par Titouan le stagiaire. Tu meurs sur les plateformes et pas en bas. Ouais, pourtant c'est moins haut. Hein. Ah ! Oh le con ! Meurs. Donc c'est ça qu'il faut qu'il me jette dessus. Très bien, je suis ravi d'apprendre que je vais devoir me sacrifier pour obtenir un objet que je vais pas pouvoir utiliser. J'ai le démon. Allez. Oh let's go Gong. Allez. Sympa. Y'a pas un item dans le coin en haut? Non je crois pas. Bon on y retournera au pire, là je suis déjà... Je suis déjà dans un autre monde là. Bon toi je te laisse parce que t'es gentil. Ok. Je vais le rater, je le sens, je vais le rater. C'était chaud. J'ai raté. Non, c'est bon. Vamos! Quoi? Non, tranquille. Tranquille, je... Ça me saoule! J'en ai marre! Je peux pas le faire en speedrun, ça? J'en ai marre de tuer... En fait, ce qui me saoule, c'est tuer les gars. Là, les deux pauvres bambins. Ça qui me vénère. Oh, mais il est trop fort! Il a esquivé mon coup d'épée! Non, c'est pas un objet, c'est une bougie, je crois. Ouais, c'est une bougie. Oh, fais chier, bordel. Fais chier, Yakitorite! Ok, je suis obligé de courir. Ok. Allez, on recommence. Pas comme si ça faisait 14 fois qu'on recommençait parce qu'on veut récupérer un objet. Je suis mort. La chatte. Hop. Putain, la zone morte de mon joystick, elle est très très large, hein. Comment je suis mort tout à l'heure ici? Ah ouais, je suis mort vraiment comme une merde quoi. Je suis mort. Très bien. Ouais, j'ai sauté, ça va me saouler. J'espère que l'objet en vaut la chandelle. Genre, vraiment. Parce que j'ai réussi du second coup, mais là, ça commence à me... Ça fait combien de temps qu'on est sur ça? Ça va faire une heure, hein. Pour la collection. Ah ouais, donc c'est vraiment nul à chier, quoi. Genre, c'est pas un objet qui va me rendre méga pété. C'est un objet qui va me rendre nul, quoi. Ouais, on va aller vite, hein. Droite au but, comme l'OM. Hop là. Tourne pas. Ouais, je me retourne pas, ce que j'essaye de faire. Oh là, il y a du sang. Ok. Donc là j'avais fait comment? Ah si, j'étais allé en face. Attendez, j'y vois rien. Let's gong. Allez. Fallait juste se concentrer un petit peu. Jackie, on a besoin de tes yeux. Non, c'est une blague, je vais le tuer. Jackie, on a besoin de toi. Il me casse les pieds. Il me fait chier, Jackie! Je vais te tuer avec mon katana! Bon, alors on va changer d'arme. Alors, pas ça non plus. Oh, peut-être lui donner un coup de bouclier. Pensez. Oh, je le tue pas avec un coup de bouclier. Genre, un petit truc nul. Genre, un truc qui fait pas de dégâts. Genre, ça!
Ça, c'est nul à chier, ça. Ça prend. Un coup de poing. Oh ouais, un coup de poing. Je vais mettre une grosse mandate dans sa gueule. Je peux pas mettre de coup de poing. Un coup de bouclier, alors. Parce que... il faudra que je le tue. Donc, si je suis tout nu... connaissez le problème. Michel! Ah! Oh putain. Je suis trop lourd, je suis trop lourd. Viens là, viens là! Qui? Oh, il est bloqué derrière une planche de bois. C'est bon, il arrive. Viens là! Encore plus près! Viens! Encore! Let's go! Le guide de Michaela! C'est de la merde. On se tire! Y'a pas d'autre objet? Vamos! Voilà! Vous avez douté? C'est bon! Oh, c'est vrai qu'on a toujours cette question de la porte. Je sais pas quoi faire. Peut-être qu'elle me met à l'envers. J'ai dit, l'objet est intéressant, pas utile ni fort. En plus, il faut que je le lise en plus, c'est ça le truc. Hein. Note Michaela. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Michelangelo? Note rédigée par le marchand nomade résumant succinctement des informations glanées. Michaela, l'épiréenne, façonna une aiguille pour résister à l'influence des divinités extérieures. Quiconque hérite de la flamme exaltée, sans toutefois souhaiter en devenir le seigneur, fait bien de se mettre en quête de cet artefact. Attendez. Quiconque hérite de la flamme exaltée, donc l'objet qu'on a devant nous, sans toutefois souhaiter en devenir le seigneur, ferait bien de se mettre en quête de cet artefact. Oh là, attendez, il y a trois fins. Au plus profond des entrailles de Lindel résiste dans notre maître le seigneur des exaltés, les trois doigts. Nous te verrons, seigneur de la flamme exaltée. Attendez, mais j'ai plein de notes en plus. Il y en a même plus que trois. Ah merde. Quiconque hérite de la flamme exaltée sans toutefois souhaiter en devenir le seigneur. Donc t'es en train de me dire que tu peux ouvrir la porte, récupérer la flamme exaltée pour mettre le caca partout, mais tu peux très bien aussi récupérer cette aiguille pour être protégé des choses qui vont arriver. Ça me... Mon cerveau is en ébullition. Je sais pas ce que je dois faire. Je sais pas. Il y a trop de choses. J'aime pas les jeux à choix en plus parce que ça me stresse. Je fais toujours l'impression de faire le mauvais choix dans ma vie. Tu me dis autre chose, toi? Non? Pas tout à fait. Oh, j'étais pas loin, non? Tu peux récupérer la flamme exaltée et t'en défaire avec l'aiguille si tu n'en veux plus. Attendez, mais il y a des trucs bizarres parce que si je réfléchis bien, les deux doigts. Là où on va à la table ronde et tout à chaque fois. Les gens se sont quand même butés. Il y a quand même les assassins de la police. Put. Là, il y a les trois doigts. Il y a le seigneur d'Elden qui a... Je comprends rien. Mais le jeu, il est compliqué. Déjà, jouer techniquement, c'est compliqué. Mais en plus de ça, il faut réfléchir à son... Faut réfléchir à ça. C'est pour ça que les gens ils font en New Game Plus. Pour potentiellement avoir les trois fins. Tout est question de à qui tu fais confiance. Oh putain, à qui tu fais confiance? Mais je fais confiance à personne! Donc là je suis. Attends, je suis obligé de passer par là. Enfin, obligé de passer par là. Non, c'est-à-dire que je peux très bien me casser et aller là-bas. Genre, je peux retourner ici. Non? Ou je retourne là?
Place du Château du Lion Rouge. Les deux doigts parce que les plus populaires, ou les trois doigts parce que tu te dis à quoi bon croire les deux doigts parce que leur volonté est corrompue. Mais Mélina, elle fait partie de quel camp? Mélina, elle fait partie d'aucun camp. Mais Mélina, c'est peut-être une connasse. On sait pas. Ça, pareil, c'est un donjon. Ça a l'air d'être un donjon, ça aussi. Enfin, un donjon, la cité de sorcellerie. Ah, peut-être que je m'en occupe aussi. Je suis perdu. Vraiment, là, les gars, je patauge. Hein. Mélina, toi, décider dans quel camp tu la mets. Mais putain, mais j'en sais rien. En vrai, il y a tellement pas d'indices. Et je sais que je vais regretter mon choix. Genre, je le sais. Moi, je vais faire. Moi, je ferai. Moi, je suis très con. Mélina, elle est venue dès le début. Stratégie payante. Moi, on m'invite à deux anniversaires. En même temps, le même jour. C'est le premier qui me dit viens à mon anniversaire. En premier, je vais à son anniversaire en premier. Voilà. Mais bon, les deux doigts. Parce que moi, j'ai vu des vidéos un peu explicatives sur les premières zones. Hein. Pas sur plus tard, où ils ont dit ouais, il y a des bails chelous avec les doubles doigts. Bon. Voilà, moi je veux juste devenir le seigneur d'Elden. Yakitori, le seigneur noir des sites. Ça part, hein. Explore la zone où je suis. Non, mais je peux pas. J'ai peur d'y aller là-bas. Moi j'ose pas franchir ce mur. Là il y a un mur invisible, j'ose pas y aller. Mais dis, explore la zone. J'explore jamais la zone. Peut-être qu'il y a des indices. Passe-partout. Bon, après j'imagine que je dois appuyer sur une touche. Oh, je vais faire une connerie, je le sens. Mais là, ça... Je suis désolé. Ça m'inspire pas confiance. Ça, il y a des traces de griffes ou je sais pas ce que c'est. Ouais, j'ai moyennement confiance, quoi. Si tu veux devenir le seigneur, suffit de rush la fin normale. Bah ouais, c'est ça. J'ose pas, je sais pas quoi faire. Je sais pas, vous m'avez mis le stress. Fallait pas me montrer ça. Si, en vrai, fallait me montrer. Putain. La servante des doigts. De l'augure des doigts. Il y a un mur secret. Il doit pas être ici le mur secret parce que ça sent la connerie ça. J'ai vu 3 fins sur 6 mais flemme de faire les autres. Tu m'étonnes. Bon, j'imagine qu'il y a un mur secret ici. Attention! Ah non, je peux pas? Bah si. Merci les marques au sol. Puis la pierre était différente aussi. Qu'est-ce que c'est? Waouh. Pas incroyable quoi, genre cet objet est fou quoi. Bon, de toute façon, les autres fins, je les verrai sur internet, hein. Il y a que 3 fins qui sont différentes, les autres sont presque les mêmes. Ouais, c'est juste des PNJ qui changent un truc, non? Oh, il y a un truc derrière le coffre. Putain, c'est des génies, en vrai. Un petit peu comme dans Naruto, le truc caché derrière les fils. Il y a vraiment un truc derrière? Oh, ils sont forts! Oh, la vache! Oh, quoi? Oh, banger! Incroyable, il est. C'est fou. Qui aurait trouvé ça? Là, sans vous, j'aurais jamais trouvé ça. Hein. Jamais, un hein. Never Midi Midi Benders. Hein. Ok, ça pue la merde. Alors, je vous l'annonce. Ça sent la muerte. Ok, je joue à Mario Bros. Hein. Vous connaissez Elden Bros? Elden Bros Wonder. Oh merde! Fourmise! Oh non, ça, elle a pris la grosse tête, elle. Je pensais que je peux les tuer. Oh, il y a un objet de fou. On va peut-être mettre le bouclier, j'ai très peur. Je stoppe le backseat, je dois décider de la porte. Bah, je sais pas. En vrai, je sais pas. Les profondeurs de la. De la fonte racine. Qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de chien? Oh, je peux plus accéder aux fourmis. Oh non, tristesse. Vous avez quelque chose à me cacher? Il y a peut-être un objet de fou. C'est pas grave, on pourra se re-TP. Technique américaine. Hop, ouais, j'y vais sereinement. Ouais. Tout ça pour avoir un objet nul. Voilà. Non, en vrai, c'est une pierre de forge.
On récupère. Donc là je suis sous terre. Vous voyez, c'est logique Antoine. Souterrain de la fonderie. Oh, il y a des mouches volantes maintenant. C'est vraiment fourmis quoi. Qu'est-ce qu'il y a au bout? La mort. Je suis où là? Oh, je suis dans une nouvelle zone. Oh mon dieu. Mon dieu, nouvelle zone. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Je pensais que je les tue les... Je crois que c'est vulnérable au feu. Est-ce que j'ai un sort de feu? Évidemment, j'ai qu'un seul sort de feu. Après, peut-être que je peux la toucher depuis les airs. Vous êtes prêts? Je suis pas prêt. Hein. Let's go! Aïe! Bon, c'est nul à chier, mais... Ne jugez pas mon skill. Donc, je peux descendre par là. Il y a un objet. Ok, 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 ok. Et salut, j'en sais rien. Comment tu vas? Il va me dire, j'en sais rien. Excellent. Merde. Ah si, par là. Bah, je sais pas si je peux. Si, si, si. Si, 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 ils sont malins. Ça passe. Let's gong. Pierre formique. Formique. Formique, formidable. Hop, ça meurt. Efficace et pas cher, c'est la meuf que je préfère. Ish. Nice. Mais écoute, moi ça va. Ça va, j'ai un petit peu le dilemme parce que... On me fait découvrir des choses et je ne sais pas quel choix faire. Vous savez que c'est ma première run. Mais sinon ça va. Oh merde, fallait passer par là. Quoique je peux peut-être par ici. Non, c'est trop haut, je peux pas. Merde, oh je me suis buté. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, je peux pas récupérer ça. Quelle indignité. Bon, passer par là. Là, j'imagine que les gens, ils ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Donc, ils sont tombés dans le gouffre de Helm. Oh, ce serait trop stylé qu'il y ait un monstre de feu comme ça. Mais tu l'as déjà affronté, c'était le serpent. Ah oui, c'est vrai. Genre un petit peu un Balrog, ça serait incroyable. Ish! Let's gong. Oh là là, les coquines, qu'est-ce que vous faites là? Vous vous êtes donné le mot? Non, pas cette flèche. Change de flèche. Ah, t'es fou, me fais pas des flèches de... Me fais pas des flèches de... Ouais. Merde, j'ai attiré les deux. Elle est pas morte? Ok, nice. Bon, Micheline, elle est où? J'entends une mouche voler, mais... Ah, c'est elle! Elle est en bug, elle est en bug! Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Moi, j'ai jamais joué. Et regardez les vidéos d'Elden Ring, donc... te spoil, je ne pourrai pas. Let's go. Bah, tu vas pouvoir découvrir avec nous, en vrai. Enfin, découvrir avec moi, plutôt. Ceux qui l'ont pas fait. Par contre, vous faites chier les fourmis, là. Je vais... Oh oui, c'est le moment de tester cette arme! Le problème, c'est qu'elles sont deux. Ah, oh, je peux peut-être toucher les deux, regardez. Aïe! Aïe, aïe, aïe! Alors, c'est qui le nul? Vas-y, viens! Let's go! Alors oui, ça fait des dégâts de feu et du saignement. Elle est stylée. Ok, Nurundore. Ça prend. Oh merde, non, j'ai lu un message. Tout va bien. Putain, mais c'est profond! Est-ce qu'on va voir le... On va pouvoir toucher le bout. Il y a un objet ici? Non, on a bien fait de vérifier. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont morts ici? Oh non! Oh non! Qui es-tu? Que me veux-tu? Oh là! Oh là là, je comprends pourquoi les gens sont morts. Je comprends peut-être. Il s'est peut-être passé des choses que les gens n'ont pas voulu. Ils sont un peu... Ils sont nombreux en plus. Hein. C'est le moment d'utiliser notre compétence spéciale. Je pense. Ouais. Let's go. Oh, ça va être la merde. Oh là là.
Oh là là, oh là là. C'est la panique, c'est la panique. Pas de panique à bord. Le fun et la vitesse. Bon bah, il y a eu de la panique. Il y a eu de la panique. Le petit rebond derrière qui m'a pas fait plaisir. Ce fut rapide. Bah oui, c'était rapide. Je savais que ça allait mal se passer. Hein. Évidemment. Allez, le speedrun. On connaît. J'ai eu de la vitesse. Oh, bon, on est tombé très très vite en bas. Oui, ça c'est... Zazazur. Alors, est-ce que... Allez, j'y vais. Moi, je suis un coriace. Voilà. Aïe, 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 aïe. Mais lâche... Wouhou. 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 Alors. Alors, c'est qui le patron? C'est moi, le patron. Vous avez kiffé, hein. J'ai appuyé sur toutes mes touches. Ça a tué les trois ennemis d'un coup. Ayam refait. Bon, en vrai, on a récupéré une maxi-rune, donc ça va. Et alors? Par où je dois aller? Parce que je suis mort une fois, certes. Je pouvais éviter de mourir une deuxième fois. Ça serait cool. Oh merde. C'est bon! Ok, le retour de l'araignée. Enfin, de l'araignée, de la fourmi. Hop. On va jouer avec cette arme. Voilà! Let's gong! Oh, vous avez kiffé, hein? Moi aussi, j'aime bien cette arme. Esthétiquement, elle a de la gueule. Oh non! J'aurais dû tuer la fourmi d'abord. Peut-être qu'on va faire. Hein. Je peux éviter de mourir. Bon, je crois j'avais pas beaucoup de runes en soi, mais. Quand même. Aïe! Aïe, 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 aïe! Itos Luches! Eh, ça fait mal quand même, hein! 800! Et je la tiens pas à deux mains, je la tiens à une main. Vas-y, tiens-le-là à deux mains. Et là, c'est stylé. D'ailleurs, je crois même qu'en faisant ça, c'est incroyable. Comment je fais? C'est comment? Ah, c'est quand je fais ça, attendez. Oh là 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 là, la dinguerie! Seigneur Dark Akitori, Dark Brochette. Allez. Par contre, est-ce que ça marche vraiment, BBS, le sort des voleurs? Et de sauter directement en bas ici. Ils vont faire oui, c'est les techniques que font les speedrunners. Ah, d'accord. Bon, comme ça, là. Comme ça, on a la réponse. Hein. Ouais, j'ai répondu avant même. Hein. Tac, tac, tac. Non, ça marche pas. Ah, non, ça marche pas. Ouais, il doit y avoir un délai. J'imagine. Je pense que je les tue. Ouais, viens. Viens la première. Mais non, mais viens. Oh, quel jeu nul. Elle veut pas venir. Par contre, elle me casse les pieds en vrai. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un PNJ qui passe pas les trucs, hein? À 20 mètres de... Ah, d'accord, moi, je pensais que c'était fumé. Merde, ça c'est une dinguerie. Mais non! Regardez ça! Ish! Ah, je meurs! Non, je me suis trompé de touche! Résiste! Elle est où ta pote? Ah, elles sont tous mortes! Très bien. Ça fait plaisir, ça. Ah non, elle est dessous. Ah non, c'est sa pote. Oh là là. Wow. Calme-toi. Oh, elle est morte. J'ai récupéré mes popos. Et merci beaucoup, j'en sais rien, pour ton follow. J'espère que tu te plairas ici, en tout cas. Comment jeter, toi? Bah écoute, à l'arc et des flèches, hein. Tu connais le... Tu connais le piou 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 piou? Je tiens ça de Jedi Survivor. Piou piou piou. Merde, merde, arrête de tirer. Ça meurt? Mais elle meurt pas, elle est chiante. Meurs! Oh, c'est bon! Let's go! Oh, il y a assez de gras juste en dessous. Vous avez kiffé? Moi aussi, je kiffe le piou piou piou. Meilleure technique du jeu, évidemment. Allez, on court. On court, on court, on court, on court. Comme si notre vie en dépendait. Mais elle en dépend! On va peut-être se soigner aussi. Ok, la technique du piou piou piou. Oh, j'ai pas des flèches de feu. J'ai pas de flèches de feu. Merde. Ouais. Les flèches de sang. C'est pas grave. Faut qu'on en tue au maximum. Let's go, elle est morte. Les autres, elles ont des ailes ou pas? Ouais.
Ok. Tue celle-là. Oh merde. Oh non. Enlève, enlève, enlève. Allez, tombe. Tombe, je t'en supplie. Ok, moins un. Ah, mais on a plein. Ok. Ça se passe, ça se passe. On va rester dans une zone assez large. Ok, crache-moi ton poison. C'est bon. Bon, j'ai claqué plein de flèches, mais c'était pour ma survie, parce que c'était chaud, hein, en vrai. Oh, mais mon dieu, mais... Oh, on est au pied de l'arbre monde. Oh, let's go. Je viens de capter que maintenant, excusez-moi. Petit peu long à la détente, le streamer. Et ça, c'est pas nouveau. Alors, comment je descends? Sans mourir, évidemment. Ça serait un plus non négligeable. On va prendre le katana. Oh, y a des fourmis de partout. Ils ont pas dit que c'était les terres formiques? Je crois que c'est ça qu'ils ont dit, non? Oh putain, y'a un gros vilain pas beau. Ok, y'a un objet là-bas qu'on peut aller récupérer en passant par là. Putain, j'ai plus de mana non plus. Ok. Là, on va plutôt être dans une zone safe, je pense. Et pas de soucis, j'en sais rien, merci beaucoup d'être passé. En tout cas, profite bien de ton samedi. Et bonne vidéo. Donc, il n'y avait pas un site de grâce qu'on avait spot à 20 km. Il est là-bas. Je crois, hein. Non? Si, il est là-bas. Il est là-bas. Ok. Je crois, non? Ouais. On va utiliser... Ça me tue, ça? Ok, c'est de l'eau blanche. Très bizarre. De l'eau blanche, je dis ça, je dis rien. Wouh! Let's gong! Impeccable. On va se soigner? Bien sûr que non. Est-ce qu'on a besoin de se soigner? Non, pas besoin. Allez, on va tester le saignement sur ce PNJ. On voit qu'il y a une petite cendre de guerre. Il m'a vu. Ok. T'es prêt, mon pote? Est-ce que t'es prêt à en découdre? Du verbe découdrer. Ok, on y va. Ok, les vénères. Ah ouais, t'es vénère en fait. Ah ouais, pardon, je t'avais sous-estimé. Oh, je lui fais zéro dégâts par contre, lui. Ah ouais, lui par contre, il est vénère. Je prends le coup. J'arrive pas. Non mais... Ouais, c'était sûr. Hein. Bon, on va... J'aime pas cette arme. Mec qui dose. Mec qui dose. Ah, il fait mal, hein. Ah, lui, pas là pour enfiler des perles. Hein. Il est là pour me casser la gueule. Hein. Mais ça, c'est vulnérable au feu. Normalement, il est censé prendre des dégâts avec ma super arme. Non? Pensez que je peux lui cracher El Fuego dessus? On va le jouer normal. Hein. Oh, banger! Pardon, il m'a calmé de suite. Oh là là. Oh là là. Alors, on est déçu, Michel? Bien joué! Bien joué! J'ai eu le bâton de l'avatar! Alors? Vous avez kiffé ça? Ça s'appelle un suicide. Genre, c'est comme quand je joue sur Smash et que je vais tuer les gars. Et coucou Yuki, merci beaucoup pour ton lurk. Bon ben voilà, au moins une bonne chose de faite. Bon, j'ai pas de rune à récupérer puisque je suis mort, mais... Tranquille. Et en vrai, cette compétence, ça fait mal, en vrai. Pas se mentir que... Un petit plaisir. On va récupérer tout ça. Et on sera bon. Au moins, vous avez pu voir un petit peu cette lame double. On est d'accord que c'est un bousier, ouais, ouais. Y a une fourmi derrière. Let's go, cendre de... Oh, y'en a deux! Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde. Oh, l'erreur. Oh, l'erreur du joueur français.
Oh, je suis dans la merde. Tu m'as presque one shot. Et voilà. Bon, ça fait quand même des dégâts, on va pas se mentir. Bon, ça m'a juste rien donné en rune, mais ça va. Alors, prochain objectif. Non mais attends, mais le jeu il est... Je comprends véritablement quand mon BBS m'a dit ouais, t'as fait la moitié du jeu quoi. Ah ouais, genre vraiment... On n'est pas là pour rigoler. Est-ce que je me soigne? Bon allez, on se soigne. On est à côté. Autant mieux en profiter. Il n'y a pas un objet par là aussi? Moi j'aime pas quand j'entends des bruits chelous en vrai de vrai. C'est pas un mob ça? Non, c'est un rocher, très bien. Je commence à avoir des ennemis partout. Est-ce que le jeu déteint sur moi? Peut-être, pourquoi il est mort ici? Il y a un dragon? Non. Quand même pas. Alors je sais pas si l'arme qu'on a lootée elle est cool. Mais comme j'ai pas les stats, on s'en fout un petit peu. Qu'est-ce qu'on a par là? C'est vrai qu'on n'est pas allé voir. Très bien, ce sont les chutes du Niagara ici. Peut-être qu'on peut y descendre, non? Non, je pense que c'est un troll. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, continuons, même si on aurait pu revivre. Je peux pas sortir le poney? Oh si! Oh. Vous allez me dire que depuis le début, on a accès au poney et je l'ai pas? Bah, je l'ai pas fait. Oh non, mais les gars... Oh, let's go! Bah ouais, les gens, vous pensez pas qu'on... Regardez, on a une monture! Bah voilà! Écoutez, torrent écu de chêne. Y'a un boss ici? Y'a un boss ici? Y'a un boss... À part des fourmis géantes, y'a un boss? Y'a du loot? Y'a des fourmis géantes? Qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre ça. On va aller voir. Pourquoi il y aurait de la lumière dans une espèce de grotte? Eh ouais, il y a un objet. Mais on peut pas... Oh, il y a un ratas. Non, c'est une fourmi. J'ai cru que c'était un ratas de loin. Peut-être acheter des lunettes. Est-ce que... Ah, il peut pas. Quelle trahison! Tant pis. Bon, on va aller mourir tranquillement. Quoique, peut-être par là. Oh! Oh lolololo! Chez Tati Tatou! Bon, ça marche pas. Putain, vraiment, c'est. Comment mourir dans la trop souffrance ici? C'est la zone de la mort, hein. Allez, on va tous les taper parce que nous, on est des génies. J'allais dire meurs quand même un minimum, non? Chez Tati Tatou! Aïe aïe aïe! Eh ouais, tu connais pas cette compétence? Moi non plus. Attention, le tourniquet! Et je suis pas dans la maison de Mickey. Ok. On va reprendre un peu notre énergie. Parce que là, c'est un peu la merde. Ok. Putain, elles sont résistantes, hein. Les kunas. Ok. Obtenir matériaux, ouais, c'était que ça. Et la dernière, attention, oh, tourniquet. C'est bon. Rune dorée. Pierre de forge 4. Mais qu'est-ce que c'est que cette zone? En vrai de vrai. C'est pas un morceau de carte ici? Non. Après on avait la zone avec toutes les fourmis aussi par là. Je crois que c'est là hein. Ouais ouais c'est là. Tiens tiens tiens. Heureusement que je vous ai suivi monsieur. J'aurais peut-être jamais trouvé cette cachette. Non. Oh. Putain mais... C'est incroyable. Ok, il y a des ruines.
Oh, j'ai eu peur. Oh là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh le trap. Oh le Kevin. Oh le Kevin. Oh là 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 là. Oh mon dieu. Oh, c'était la mort qui m'attendait ici, hein. Alors, on est nul. Oh, c'était un arc unique, quoi. Tant pis. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh. Ah oui, c'est l'autre coquin, là. Ok, ça meurt. Oh, mais elles vont pas me lâcher, ces... Elles vont pas me lâcher, ces grenouilles. Alors, je sais pas si c'est des runes ou pas, attendez que j'ai pas de carte. Oh, c'est peut-être ça, la carte. Let's go. Putain, vous avez vu à quel point je suis bon? Elles me suivent plus? Si elles sont là-bas. Oh là là. Non, c'est bon, elles sont arrêtées. Je peux pas ouvrir la carte. Oh. Attendez, mais c'est... Je veux ouvrir la carte, je veux voir dans quelle zone je suis. S'il vous plaît. Savoir si c'est une grande zone ou pas. J'entends également... Oh là, il y a un cachet là. Ok. Ah, il est là. Ok. Ok, une pierre de forchon 6. C'est pas ce que je veux. Oh là 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 là, il y a des soldats de partout. Oh, ça va être le bordel ici. Ça va être le bordel, je le sens. C'est la merdoum, la merdame. Là, il y a un monsieur qui crache du feu. Ouais, il est au fond, évidemment. Ouais, vas-y. Ça va jusqu'où? Bah alors, t'es nul, mon pote. Ok. Cendre de guerre en taille du vide. Hop là, ça part. Qu'est-ce qui s'est... Y'a un truc qui s'est cassé, non? Oh, je peux ouvrir... Y'a une porte? Garde un message. D'accord. Bon, écoutez... Putain, c'est malin, ils ont tout fait en sorte pour que ça soit des pierres cachées, quoi. Enfin, des pierres. Le mob, il soit caché. Alors, la carte! Nouvelle carte des profondeurs. Oh, mais la zone, elle est énorme! Et l'arbre-monde, il est où? L'arbre-monde, il est là. Donc, la racine de l'arbre-monde... Vous pensez que c'est ça la racine de l'arbre monde? Non. Non, oh, mais la zone elle est énorme. Genre. Mais ta gueule toi! Oh, il me rend fou. Bon, ça me vénère. Ça me vénère! J'arrive pas. Oh non, on a des gardes. Vous êtes stylé ou pas? Non, vous êtes. Ouais, vous êtes nul à chier quoi. Ouais. Nul. Juste qu'ils disparaissent quoi. Ça c'est peut-être le point le plus... Lou, qu'est-ce qu'il fait là lui? Oh. Oh là mais il est très vertical ce niveau. Ok. Un niveau tout en verticalité. Tout ce que je déteste sur les jeux comme ça. Heureusement qu'on a quand même Torrent qui va pas mal nous aider. Hop, ça dégage. Hop, juste pour le stun en vrai. Eh, ça donne 3500 ça. Oh purée de pommes de terre. Pourquoi j'ai déjà faim? Ok, il y a un objet de fou là. Enfin, un objet de fou. Super. Une artéria quoi. Et comment je redescends? C'est une blague. Ah là. Ouh, j'ai cru que ça avait pas marché. Oh quoi? En fait j'aurais pu passer par là direct. Ok, ça sert à rien. Une entrée par ici non. Ok. Bah alors, on sait pas se battre face à un mec à poney. Bon. Il y a un full explore. Putain, je pensais qu'on allait retourner vers les pics neigeux, mais pas du tout.
Oh, Misaki! Oh, le 11! Oh, let's go! Bientôt un an! Merci beaucoup, madame! Comment allez-vous ce matin? Je me dis pas que vous attendiez l'heure fatidique pour faire ça! Mais merci beaucoup! Il est où l'objet? Il est là. Ok, pierre de forge. Putain, je récupère pas des pierres de forge incroyables! En vrai, un peu déçu. Hop! Ça, on récupère. Oh, j'adore le flonon perso. Je dis ça, je dis rien. On est d'accord qu'il est trop stylé. Non? Vous trouvez pas? Moi je trouve que si. Hop. Ça, je valide les points que j'avais pas fait tout à l'heure. D'accord. Fragment d'os humain, super. Ah mais c'est un cercueil. Attends. Non. Pierre de forge. C'est trop bizarre ici. Ouais, je pense que c'est un cimetière qui s'est fait casser la gueule. Papillon naissant. Oh, je peux utiliser ça? Entrer dans le cercueil. Quoi? Attendez, on n'a pas fini d'explorer la zone. Il y a peut-être des dingueries. Et là, je sais pas ce qu'il va me faire. Oui, il y a des dingueries. Déjà, faut que je m'occupe également de l'autre truc, là. Ça a l'air d'être une zone assez tranquille, non? Il va dire tranquille pour l'instant. Hop. Hop là. Hop, ça tue, ça tue, ça tue. Lâche ton bouclier, toi. Raté. Raté. J'adore toujours autant le design d'Elden Ring. Juste peux pas le télécharger. Est-ce que tu n'as pas la console ou le PC suffisamment puissant? Bah, profite avec nous. Profite avec moi. Avec les gens qui, pareil, ont pas la volonté de faire le jeu parce que exigeant. Quelque chose ici? Ok, pierre forchon numéro 7. On prend. Enfin, beau. Ah! Beau, c'est relatif. Étant donné qu'il est un peu dark. Dark fantastique. Bon, il a fini de me suivre le poney? Ouais. Lui par contre, il a pas fini de me suivre. Je sais pas s'ils ont des armes de fou en vrai. Il me poursuit, non? Alors normalement, il est censé avoir des trucs sur les patounes. Mais je pense qu'il l'a pas, donc il faut monter sur les racines. Oh merde, j'avais pas vu qu'il y avait du monde. Donc je pense que c'est ça. Oh, il est toujours là, lui. Oh là, t'as pris des dégâts, mon pauvre. Alors? Oh, il m'a touché en tombant. Bah alors, nique quasi sans tête. Ben, lui, il a quasi en plus sa tête, quoi. Ouais, le jeu vraiment cool. Hein. Ben, comme j'ai dit, l'un des seuls Souls que j'ai fait, c'était Dark Souls 3. Et je l'avais trouvé... Oh, merde. J'avais trouvé vraiment très, très dur, pour le coup. Et là, vraiment, Elden Ring, le fait de pouvoir se balader... De faire un peu ce qu'on veut si on galère. C'est vraiment un peu... ce qui permet aux joueurs... Putain, par contre, vous me faites chier les grenouilles. De se faire plaisir. Et normalement, ça passe. Ish! Ish! Ah, c'est bon. Parce que pareil, même Demon's Soul, moi, je trouve que Demon's Soul, c'est chiant. Parce que t'as pas 40 millions de points de sauvegarde, c'est pour ça que j'ai abandonné. Donc dès que tu meurs, tu dois refaire tout le niveau, quoi. Et ça, c'est chiant. Merde, faut que je descende du poney. C'est vraiment ça qui me dérange. Là où tu peux te TP sur Elden Ring sans difficulté, quoi. Bloodborne, je l'avais un peu commencé, mais pareil, jeu très très dur. Ou pareil, les popos, il faut les crafter, je crois. Et donc, dès que t'es mort 40 000 fois, tu peux plus avancer, quoi. Ben, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Donc, pareil, très très dur. Il y aura peut-être quelques clips qui doivent rester sur la chaîne, mais je pense de manière très très... Oh là là, ah, ah, ah. Tout va bien, les gars? Pas besoin? Non, non, je vais bien. Oh, ils sont tous morts. Oh, vamos. Bon, ça sert à rien de rentrer là-dedans, mais pour le délire. Enfin, ça sert à rien. Si, je pourrais dupliquer mes âmes, mais bon. Est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas.
Il faut me dire si tu veux l'XP ou les objets. Voilà, ça permet juste de dupliquer les âmes qu'on collectionne. Mais en vrai, je pourrais le faire à la fin du jeu, non? Ils se mordent en voyant ma chute, sont morts de rire. Ouais, ouais. Je comprends, is logique. Bon, au moins, on a réussi, on a passé les petites grenouilles. Donc, ça passe. Et pas de soucis, petit Pioui, bon repos. Bon repos pour toi. Dorama, il y a une centre de guerre ou un scarabet. Pas très loin. Il est mort, lui? Putain, mais les gens, ils sortent pas le poney? Je veux dire, ça me fout droit. Pourquoi vous sortez pas le poney? Pourtant, c'est trop fort. Moi, je fais tout à dos de poney. Il est où, le scarabée? Il est là. Non! Ah, je vais pas pouvoir. Ah, je vais perdre la centre de guerre. Eh ouais. Ah merde, crapaud mout! Meurs, crapaud mout! C'est à cause de toi que j'ai raté la cendre! Deg. Au moins, on récupère de la rune. Et ça, c'est bien. Y a pas un truc de l'arbre au monde là? Oh si, y'a un gars! Oh les gars, y a un mec! Venez, on va le taper. C'est qui? Qui êtes-vous, monsieur? Présentez-vous. Oh! C'est un chevalier du creuset avec la lance. Vous savez, c'est mon perso préféré. Celui que j'ai arraché la dernière fois que j'ai vu. Ok, ça part. On va le jouer avec la lame sanglante. Ça vous dit? Moi, ça me dit de fou, hein. Allez, s'il y a du creuset. Ah oui. Ah pardon, je t'avais sous-estimé, mon pote. Pas fait exprès. Ah oui, je t'avais sous-estimé, pardon. Attends, je t'ai pas chaud. Bah d'accord. Mais il attaque doucement et me péta. Dommage. T'aurais pu me tuer, mais c'est raté. Ah oui, c'est comme ça qu'il m'a eu tué la dernière fois. Je m'en rappelle. Bon, c'est bon. T'as les déter un peu. Phase numéro 2. Ok, donc lui il est plus rapide que son frère. Je suis mort. Quoi? Oh, il m'a pas tué. Dommage. En fait, je me suis dit, j'ai testé un truc, mais ça marche pas. Parce que, en fait, sur la cendre, vous savez, le truc où je fais du tourbilol, j'ai la possibilité, en fait, de faire une esquive. Regardez, je fais ça une fois. Et après, j'ai une esquive. J'ai tenté de faire ça, ça n'a pas marché. Voilà, comme ça vous avez la réponse de pourquoi je suis mort. Parce que je tente des choses que je ne maîtrise pas. Alors que si j'y vais comme ça, avec mon katana, eh bien il va prendre la bite. Regardez ça. Parce que je connais les patterns, hein. Je connais le perso et tout. Donc en vrai ça passe. Hop. On va voir qui c'est le patron maintenant. Attends, je récupère juste ça et je suis à toi. Ah oui. Bah, non mais arrête de me faire mentir. Je passe pour quoi? Non, il est casse-couille. Ok, bon, j'ai compris. Il est chiant. Mais arrête! Oh, laisse-moi vivre. Mais je vous ai dit. Ah, c'est un ennemi majeur. Oh, mais un ennemi majeur avec 25 000 XP. Let's go. Il m'a donné l'arbre de Silurna.
C'est une lance. Ouais, non, mais il fallait que je flex à un moment. Vous avez vu, petite transition. Pour un mec, un maximum de coups. Le finish incroyable. Non, vous avez kiffé, hein. Ah ouais, non, mais... Faut bien que je vous montre mon talent à un moment. Alors, c'est ça. L'arbre des cieux, on en a perçant. La vrille, donc j'imagine que c'est son grand truc qui tourne. Il nous faut 27 de force. Sauf si je la manie à deux mains. Bah écoute, ça part. Oh. Oh le truc relou. Et c'est quoi son pouvoir? Attends. Attention, on risque d'être choqué peut-être. Très bien, tout ce qui tourne, je kiffe. Voilà, ça part. Incroyable. Incroyable ce truc. Donc comme ça, on a tout le build du chevalier du creuset. Et ça, c'est une bonne chose. On va reprendre l'Ushigatana. Hop, en 23. Il fait sacrément mal aussi, hein. On va se soigner si on peut. Même s'il y a... Quoi qu'il n'y a pas une... Ah, elle est un peu loin. Même s'il y a un site de grâce un peu loin. On sait jamais. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un coffre. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien dans le coffre? Quelque chose de bien dans le coffre? Au banger! On a l'armure H du creuset et arboriforme. Alors, quelle est la différence entre les deux? Wow, d'accord. Il y en a une, elle a un col. Oh, celle-là, elle est mieux. Enfin... Quoi? Ah, les deux, c'est pas le même style, hein. Les deux, c'est pas le même style, mais... Ouais, il y a un truc. Et au niveau des gants, c'est les mêmes, par contre? Ouais, les gants, c'est les mêmes. C'est-à-dire que potentiellement, je peux en vendre. Et le casque, par contre... Ouais, il y a le casque comme ça, ou le casque comme ça. Là, c'est... Oh, Sauron. Alors ça, je pensais que ça faisait très Sauron, mais ça, c'est Sauron. Genre de loin, perdu dans le noir, avec un petit peu d'alcool, avec modération, bien sûr. C'est Sauron. Genre, tu peux faire Sauron. Sauron, faut une armure bien dark. Est-ce que j'ai ça? Il n'y a pas armure bien dark. Ah, quoique si, j'ai peut-être ça. Ouais, mais ça brille trop. Trop rutilant. Y a rien qui fait très Sauron, hein. Si ça peut faire Sauron, non? Non, en vrai, le mieux, ça reste quand même ça, hein. Là, c'est très... Ouais, on est sur un perso qui a quand même du flow, quoi. Allez, pareil, ah oui, j'ai fait cette petite quête aussi, BBS. Petite quête de Oslo, quoi. Là, je l'ai vu, je suis retourné parce que je pensais faire une quête et j'en ai fait une autre. Mais voilà, quoi. Ah oui, vous verrez plus Dialos, là, le mec hyper stylé. Il est mort. Je l'ai pas buté, il a sacrifié sa vie en vain. Ouais, il est trop nul. Donc, tant pis pour lui. C'est vrai que je l'ai pas avec ça. Et Jaren? C'est qui, Jaren? Jaren. Ils sont blazes, hein, Jaren? Le môme Jar? Non. Jaren, je sais pas qui c'est Jaren. Bah il m'a dit, je veux devenir un héros. Bah j'ai dit essaye. Merde, je suis descendu de mon truc. Je vois pas qui c'est. Le gars du festival. Le gars du festival. Il y avait un festival? De quel festival il me parle? Tu confonds pas avec Pokémon, le festival des masques? Bah les masques. Non, rien à voir. Il y a peut-être un objet dessus par contre. On va tester. Il faut qu'on descende aussi. Ouais, il y a un objet dessus évidemment. Oh, Bamos, en plus objet non pas inutile, mais bien stylé. Très bien. Tilalilalou. On va passer par là. Ça passe. Le festival de Radahn, le type habillé en bouffe. Non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Ouais, le papy. Le papy.
Non, je l'ai pas revu en soi. Alors attendez, là il y a le cercueil, on va se soigner et on va le prendre. Je sais pas s'il y a d'autres choses à récupérer dans cette zone, mais en soi, bon. Je pense avoir déjà récupéré pas mal. Ok. Lui aussi il a une série de quêtes. Bah je l'ai pas vu. Je ne sais pas. Je ne sais pas où il est. J'ai très peur d'aller dans un endroit où je risque de regretter mon choix. On va voir. Mais j'en ai pas fait une seule avec, avec lui hein. Vraiment une seule hein. Entrez dans le cercueil. Aïe 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 aïe. C'est l'attraction du parc Disneyland. C'est les bûches. Vous connaissez. Bon, il doit y avoir un boss en bas, hein, j'imagine. On va ressortir très content. J'imagine. Ok. Les chutes du Niagara. Très bien. Je suis sorti indemne. Oh, Dark Vador. Oh là là, le beau gosse. Bon, il y a mon casque qui traverse mon armure, mais c'est pas grave. Oh, mon dieu, la forêt interdite. Harry, n'y va pas! Il y a les centaures! D'accord, nouvelle zone. Le lit principal de Hansel et Gretel. Oh! D'accord, on est sur la zone en haut. Oh. Bon, en fait, c'est de la merde. Ah, ça m'a ramené ici. Ah, oh, c'est nul, il y a pas de boss. Oh non. Oh non, tristesse. On a déjà tout fait ici. Oh non. Oh non, la trahison. Oh non, je suis déçu. On a déjà fait. Ah, ça nous ramène en fait là. Attends, mais c'est n'importe quoi, genre j'ai traversé tout ça. Et c'est c'est nul à chier, non? Bon bah je retourne là hein, en vrai. Mais le bouffon non, c'est pour ça que tu, peut-être que tu m'as dit de d'aller retourner là-bas. Peut-être qu'il faut que j'y retourne en vrai. Bon, il va sûrement y avoir d'autres choses que je n'ai pas vues ici. Continuons notre exploration. Ouais mais ah ouais c'est que ouais. J'ai fait respawn tous les fifrelins donc c'est bizarre toi. Hop. Dégâts de posture. Qu'est-ce que j'aurais pu louper dans cette zone? Je suis allé ouais. À chaque fois je crois que j'ai des taches de sang mais non c'est juste de la mousse sur les arbres. Je crois que les gens sont morts mais en fait non. Enfin moi j'allais mourir en l'occurrence mais ah. Ah je suis pas allé là-bas. Et je suis pas allé ici non plus. Oh le bâton du prince de la mort. Excellent nom. Je valide. Au mercredi. Nice. Et je ne meurs pas. Ok, je cours. Je prends la rune dorée au passage. Je vais prendre ça aussi. Oh, il y a un site de grâce. Ouais, je pense que je suis peut-être un petit peu loin pour... Oh. Oh, que diable. Oh la vache. Oh la vache. Genre j'ai sous-estimé cet ennemi pendant un moment. Ma plus grosse erreur hein. Ok. Alors pourquoi je suis descendu de mon cheval? Je vais me faire envahir. Mais ça serait pas une zone de boss ça? Mais évidemment que c'est une zone de boss. Est-ce qu'on n'irait pas un petit peu se soigner avant de mourir? Bien sûr. Bien sûr. Je disais bien qu'on n'avait pas fait toute la zone. Allez. C'est pas, on y va, c'est parti, le plaisir.
Allez. Qui est donc mon adversaire? Viens donc m'affronter si tu es un homme. Si tu es un monstre, retourne chez toi. Y'a pas de boss ici? Oh si, y'a un boss. Oh si, ça pue le boss de fou ça. Je ne suis pas serein. Je ne suis pas serein. Non, ça m'affronte pas, ça fait rien. C'est très très gros quand même hein, si c'est ça. Oh j'ai peur, arrêtez, arrêtez. Monsieur, vous êtes gentil, vous êtes méchant. Peut-être qu'il est gentil en fait. Je me suis équipé en mode Dark Vador, mais peut-être pour rien. Oh il y a un téléporteur. Ah, le champion de FIA. Mais ta gueule. Oh quoi. Oh, belle esquive. Ok, il a le pas Ouais, 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 fais le malin. Fais le malin pendant encore que tu peux. Ouh. Bah alors. C'est tout. Tiens, 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 Roger le... Hein? Non, Roger, mon pote. Roger, t'étais mon pote. Ah ouais, là, vous êtes un petit peu nombreux. Champion de FIA. Mais attends, vous êtes nombreux. Oh la vache. Oh, ça fait pas plaisir. Ok, il y en a un, je l'ai pété son shield. Ok, oh il a fait mal. Waouh, waouh, waouh. Cours Astérix, me cours. Ok, ça fait pas... Waouh, 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 waouh. C'est un peu... Ah, il fait mal. Vous êtes un peu nombreux à mon goût. Oh, je l'ai Oh, ça fait mal aussi ça. Ok. Putain, mais il attaque trois fois ça. Je suis mort. En fait, ils sont trop nombreux pour moi, c'est chiant. Arrête de me courir après. Oh. Ouais, ouais. Ok. Je suis mort. J'ai appuyé sur rond mais il s'est passé un truc Aïe 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 aïe. Putain, ils font beaucoup trop de... Ils font trop de dégâts. Enfin non, c'est le 3v1 que je ne gère pas. C'est le 3v1 que je ne gère pas. Mes runes sont méga loin. En plus j'ai 30 000 runes quoi. Ou 50 000, je ne sais plus. C'est-à-dire que je vais affronter tous les gars que j'ai battus. C'est bizarre non. Oh non, si c'est vraiment ça, c'est la merde hein. Et je pense que potentiellement c'est ça hein. Je pense que c'est ça. Hop. Allez, quand tu veux. Mais t'as fini de courir ? Hop, ça dégage. Allez, un autre. Ça, c'est Rongier. Mais Rongier, t'es fort! Eh, hey, Rongier, calme-toi! T'as jamais été aussi fort! Je me suis fait péter la gueule par Rongier. Voilà. Rongier, le sorcier. Non, mais j'ai sous-estimé! J'en ai marre de sous-estimer! J'en ai marre! C'est soit. En fait, le problème, c'est ça. C'est que soit
Je fais de l'animation sur mon stream, soit je tryhard et je les tue. Mais moi j'aime bien faire l'animation. Parce que si vous voulez voir du tryhard, faut aller voir les speedrunners. Mais c'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on veut, c'est du divertissement. De l'énergie. Parce que sinon, ouais, je les tue, quoi. Tranquille. Ni vu, ni cunu. Bon, c'est chiant. Faut que je récupère ça et tout. Jeu de merde. C'est faux. Oh, c'est nouveau. C'est pas le même. Quoi? Pourquoi c'est un samouraï? Oh, il fait mal. Allez hop, ça dégage. Attends, mais ils changent à chaque fois, c'est pas les mêmes? Ça c'est Rongier. Pourquoi il est rouge? Non mais il a combien d'énergie? Meurs! Non mais arrête un moment! Il fait 40 000 esquives, il esquive tout! Il est insupportable! Allez, là ils sont 3. Oh, j'ai le démon. Oh, il crache du feu! Oh là là! Et ça crache du feu! Évidemment, comme si c'était pas suffisamment compliqué. Ah, il est résistant lui, hein. Ouais, résistant, pas lui. Ok, moins 1. Mais calme-toi le... l'armuré. Oh, en plus il a des sorts de fils de chien. Vous attaquez à deux mains évidemment. Oh, tu sers à rien. J'ai fait tout ça pour toi. Et comme ça que tu remercies? Nul le dragon, nul! Le problème c'est lui dans mon dos là. Non! Oh la vache! Je suis mort. Putain le... je sais plus comment il s'appelle. Bibindome numéro 2, ça c'est un pneu hiver. Mais il est insupportable, comment il fait mal. Hein. Je vais jeter des cailloux. Hein. Mais même en jetant des cailloux, il est fort. Oh, je l'ai touché! Je suis mort. Chier son sort de merde. Il me fait chier lui avec son sort hein. Non mais comment il touche? Comment tu me touches frère? Comment tu me touches? Arrête oh. Triple attaque. On se sur Pokémon. Oh, c'est une blague. Voilà, c'est pas possible. Ça me rend fou. J'imagine qu'il y en a encore d'autres qui vont spawn. Non, c'est fini. Ah, je suis mort sur ça, quoi, en plus. Hein. Oh, j'ai le démon. Tiens, 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 qui revoit l'âge? T'as décidément que de nouvelles têtes, hein. Ah, ils étaient chiants, les trois, hein. Ils étaient chiants. C'était galère. Mais surtout, ils faisaient des esquives. Si j'avais eu le Nagakiba, j'aurais pu toucher à plus longue distance. Mais c'est faux. Et coucou, Ben, comment ça va? Alors, attendez, on va lui parler. Elle va prendre le téléporteur. Mais comment on se retrouve, madame qui fait des câlins, en étant en manque de câlinerie?
Attaque de type fée. Non, ils sont chiants en vrai. Non, je souhaite me faire. Est-ce que ma réponse BBH change un truc ou pas? Parce que sinon je troll, hein, je fais non, elle veut un câlin, moi, elle aime bien les câlins. Tralala, mais qu'est-ce que. Alors attends, parce que. Moi je comprends. Il y a trop de fins. T'as le manoir. Le manoir, ils veulent tuer tout le monde. Et je crois que c'est la frame exaltée, je sais pas. T'as les deux doigts, il y a les trois doigts. Bientôt, il y aura les cinq doigts de la main. Il y aura une équipe pour chacun. Je dis rien, mais j'en sais rien. Ça fait des choix et tout. Ouais, on fout. Venez passer sur le corps. Le prince de la mort. D'accord. Donc c'est pour ça que les gens fassent ça. I must bear, as a matter of duty, with my own flesh. D'accord. Je comprends pas. Go on. Kill me. You deny us, do you not? Because we deign to live in death, and wish our Lord to. Ça parce que nous sommes les non-morts et nous souhaitons la gloire de notre Seigneur. On va faire un câlin. Ouais, fais-moi un câlin, vas-y. Je comprends rien. Vraiment, hein. Je vous le dis. Sans votre aide, sans l'aide des gens qui connaissent le jeu, c'est... C'est compliqué, hein. Genre, l'histoire, c'est galère, hein. Godwin's Halobrand has since been recovered at the Round Table Hold, but there is another Halobrand out there somewhere. Mm-hmm, d'accord. I must find it before the time comes we receive our Lord. When Godwin died, a Halobrand another exists. Another. Mais notre marque en forme d'une demi-roue centipède. Centipède, déjà. Pède, il y aura des pattes. Demander la marque maudite de la mort. Hein? Mais en fait, je comprends pas. Rani avait une marque similaire. Oh, faut que je bute Rani? C'est ça que ça veut dire? Donner la marque maudite de la mort. Parce que c'est elle qui l'a fait tuer. Oh, putain, mais c'est tellement. Mais c'est. Oh! Je comprends rien. Non, tu l'as déjà récupéré sa marque sur l'ancien corps de chair. Mais là, c'est quoi la marque maudite de la mort que j'ai là? C'est quoi? Putain, faut vraiment avoir un calepin. Genre vraiment l'indice du calepin. Alors, calepin! Marque maudite de la mort donnée lors de la quête de Rani Smith. Elle voulait faire une tarte aux pommes, mais malheureusement n'avait plus de pâte feuilletée. Parce qu'elle a changé la pâte. Normalement, c'est pas une paille feuilletée, mais tranquille. C'est chiant! Ouais. Ouais. Mais Godwin, c'est pas le mec qu'on a buté dans la citadelle là? Oh là, elle va me buter. Bénédiction radieuse du baldaquin. Ok. Parler en secret. Ouais. Putain, c'est compliqué en vrai. Hein. Godwin, c'est le demi-dieu. Assassine pendant la nuit les couteaux noirs. C'est le demi-dieu qui assassine, c'est ça que t'as oublié? Pendant la nuit les couteaux noirs?
Eh, Fial est peut-être pas si mauvaise, non? Fial est peut-être cool, en fait. Est-ce qu'on peut se fier à elle? Oh, let's go. Ouais. Non, je sais pas. Je sais pas. Parce qu'elle m'a dit de la buter. Assassiner, mais lis les dialogues plutôt que le chat. Je comprends. Enfin, moi, elle m'a l'air d'être... Alors, d'être cool, non? Bon, on voit pas grand-chose, mais... Non? Je sais pas, elle m'a dit se faire étreindre. Elle voulait que je la bute. Je comprends rien, en vrai. Hein. Moi, je suis vraiment... il me faut faire des Uncharted. L'objectif, à la fin, c'est trouver le trésor. Voilà. Voilà ce qu'il me faut comme jeu. Spider-Man, l'objectif, à la fin, c'est vaincre le bouffon vert. Ça part. Ben, elle t'a dit de te la tuer quand tu lui as dit que t'étais là pour les exterminer. Ah. Ah. D'accord. Donc, en fait, j'ai fait un virevolte. J'ai fait un volte-face. C'est ça? Oh, let's go, je suis trop fort. Elle a disparu? Non, elle est toujours là. Téléporteur. Mais j'écoute rien aussi, hein. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens? Amant en vue. Non! Je voulais pas faire un câlin. Tu as dit je te tue, puis après t'as demandé un câlin. Oh, écoutez, ça s'appelle être bipolaire, hein. Est-ce que vous voulez une baguette? J'aime les Porsches. Elle me redit la même chose. Je vous dis adieu très cher, mais je suis comblé. J'ai choisi de m'allonger aux côtés de Godwin plutôt quand t'as fait la dépouille qui m'aurait imposé. Je porterai son enfant. Et il héritera également de votre chaleur. À mettre dans nos cœurs, il nous entraîne les démons de minuit. D'accord. Elle me dit adieu. Ok. Bon ben j'ai reparlé, on a refait le truc. T'as fini de me faire des câlins? En fait, elle me cringe un peu, elle. Parce que, ouais, je fais des câlins aux morts et tout. Donc, ouais, en fait, les gars que j'ai affrontés, c'est ceux que j'avais déjà affrontés auparavant, c'est ça. Elle a disparu? Elle a disparu! On a fait avancer la quête! Elle est morte. Touchez Fia. Elle est morte! Ah non. Hein? 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 Quoi? Comment ça, entrer dans le monde mortuaire? Oh là là! Nani? Et ça mène où? Je fais ça d'abord. Go go! Maintenant ou ça d'abord? Ben elle est... Comment ça dans le monde des morts? Comment ça faut que j'aille dans le monde des morts? Moi je suis mort de trouille d'y aller. Et ça mène où? Est-ce que si je fais ça, ça nique ça? Est-ce que si je nique ça... Oh, elle aurait un enfant, mais ça c'est différent. Non, je connais pas le jeu, mais now! Ouais, mais si ça... Non, ça disparaîtra pas. Mais peut-être qu'il y a des objets cool là-bas. Ça pas. Mais quoi? Je dis si je... Bah excusez-moi mais... Je veux pas vous apprendre l'anatomie, on apprend ça en troisième. Entrez dans le rêve... Dans le rêve. Do it! Ok. Oh là là, oh là là. Ah bah ça part, hein. Position numéro... Oh c'est en quatrième? Ah c'est pas en troisième. Merde. Autant pour moi. Je suis... Non mais... Vas-y Antoine, va là-dedans. Là c'est trop bien, j'adore ce jeu. Putain, il est pas petit lui hein. Oh. Bonjour, je m'appelle Antoine, je viens du Bourg-Palette. Aïe, oh il fait mal. Oh il est beau. Il est beau le lavabo. Je vais mourir, m'en bats les couilles. M'en bats les couilles. Oh, il fait mal un peu. J'imagine qu'il résiste à la foudre. Ouais, il fait mal. Aïe. Est-ce que tu prends des dégâts de saignement? Wouh. Oh, il vole maintenant. Merde, il met des dégâts de foudre. Est-ce que c'est pas le coup de foudre entre moi et Fia? Oh là là.
J'étais pas prêt à affronter ça de suite, mais écoutez. Le jeu en a décidé autrement. Ok. Oh, let's go. Ben voilà. Fortisax. C'était ça? C'était un boss? Ça c'était un boss. Genre Let's go! Hey, le dragon sur la story Instagram. D'ailleurs, point d'exclamation Instagram si vous souhaitez le rejoindre. C'était pas du mytho. Elle est morte? D'accord. Non, on a perdu Granny Smith. Non, c'est Fia. Prendre la rune de la restauration. Rune de la restauration du prince de la Muerte. Ouais. Non, j'ai perdu. Voilà. Résumé de ma vie. Oh, je peux lui faire confiance à Fia, elle est trop cool. Elle a l'air d'être bien et tout. Tralali tralala, elle meurt. Voilà. C'est un petit peu comme les gens quand ils regardaient un petit peu Game of Thrones. Les gens qui disaient ne t'attache pas à ce personnage parce que potentiellement il disparaît. La vibes quoi. Fallait pas la tuer, non, je pense qu'il fallait pas la tuer. Et ça marche au cas où, merci beaucoup d'être resté en tout cas. Et qui est le suivant? Je sais pas. Capuche de Fia, robe de Fia. Fia.